La touche Père aux avions, on se retrouve pour le Grand Prix du Canada 2014. La course qui aura fait basculer la saison à l'époque. C'est totalement faux, mais en tout cas c'est une des premières courses de saison 2014. Mercedes ne gagne pas, puisque avec leur problématique de frein, là on va avoir les deux Mercedes qui pourtant étaient en tête, se batailler assez fort et en plus abandonner, en tout cas pour Hamilton. Alors que Rosberg va être en délicatesse jusqu'à la fin, et ça va permettre à Ricciardo de remporter la course. Ce qui aurait été la première victoire de Ricciardo en Formule 1 pour l'écurie aussi Red Bull depuis leur départ en 2013. Et une des trois victoires, je crois, de Ricciardo cette saison. C'est quand même un prix qui avait été intéressant grâce à ça. Et on arrive du coup sur le circuit Gilles Villeneuve, où il fait pas de super beau, autant se le dire. Je sais pas ce que ça va donner. Donc c'est parti. C'est les qualifications. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Tac. On va mettre une bonne vitesse de pointe. Voilà. Parce qu'on a quand même deux lignes droites. Quelques chicanes, mais les chicanes sont assez faciles à prendre quand même. Et donc, c'est parti pour le Grand Prix du Canada. Enfin, les qualifications du Grand Prix du Canada. Oui. Alors, quand je me suis entraîné en essai, il faisait super beau et du coup bah là je suis un petit peu déçu parce que le temps est vraiment dégueu. Et encore une fois je vais perdre mes repères de freinage. Ce qui est un petit peu dommage, autant se le dire. On a déjà 9 dixièmes de retard pour mes secteurs. Les tests de pointe si ça va un peu mieux. Ah, j'ai donné tout ce que je pouvais mais j'ai tout perdu. On va être très très loin. 12, 13, 14, 16, 17, 19ème. Aïe 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 aïe, bon ben là... Là j'étais trop optimiste dans la dernière chicane. J'essaie de rattraper mon retard et du coup on va partir très très loin sur la grille en 20ème position. Et c'est les deux Mercedes qui ont encore fait une fois la pole position devant Vettel, Alonso, Ricciardo, Raikkonen, Felipe Massa, Bottas, Magnussen et Jenson Button. Ah, j'ai complètement raté ma qualif, j'espère qu'il va faire beau. Après il peut pleuvoir, hein, on va voir bien. Mais... Alors, c'est un circuit qui normalement devrait pas trop bouffer les gommes. On a l'air de faire beau, ok. Du coup, on va modifier la stratégie de course. Alors, on va partir en prime comme d'habitude parce que ça marche toujours très bien. On pourrait faire 27 tours avec ce train de là. Et on va partir en option et on changera au 12e tour. Ok. On va le laisser comme ça. Ils sont partis pour le Grand Prix du Canada. Bon, on va essayer de remonter, on est 17ème. Il y a peut-être moyen. Alors, je sais pas si les autres ont beaucoup de tests de pointe par rapport à nous ou pas, j'ai pas eu trop le temps de tester. Sont-ils par 16ème, on part 20ème. Je crois que c'est le plus mauvais résultat sur la grille, si je dis pas de bêtises. Parce qu'elle est sur la gauche indirectement. Bon intérieur. En plein milieu. Entre les trois. Ouh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Aïe 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 aïe, on a pété l'avant.
Aïe aïe aïe. Ah ouais, on s'est fait remmener sur le côté là. Aïe aïe aïe, ouais, j'ai gueulé, je suis désolé pour le micro. Oh là, à l'intérieur, on y va. Alors j'ai pas cassé totalement l'aileron, donc peut-être qu'on peut s'en sortir, on va voir. Ça a l'air de tenir au niveau de l'aéro, on a juste cassé la partie droite. Par contre, ouais. On va faire de l'efficacité aéro, ça c'est une évidence. Ça fait un drame complet. Il y a de la récupération d'énergie devant, j'ai l'impression, surtout en train de clignoter. Ce départ était vraiment très très optimiste. Vraiment, quand on s'est retrouvé entre les deux là, il y a quand même très peu de chances que ça se passe bien. Mais j'ai un petit peu trop tourné. Du coup, j'ai emmené. Je sais plus qui était derrière moi. Je l'ai emmené un peu vers l'extérieur. Il ne pouvait pas aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on s'est accroché. J'étais trop optimiste. J'aurais dû garder ma ligne. On sait qu'il avait un peu laissé tomber. Et finalement. Hop 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 hop. J'ai raté mon panneau. Je suis passé, mais c'était pas vraiment voulu. C'est très tard. Et on est du coup 10e dans les points. Après, ce que ça va durer, c'est autre chose. Encore le DRS activable, ça sera au prochain tour. Et il a pris vite quand même le chicken, hein. Je pensais qu'on abusait un peu, mais en fait on... Alors, le circuit est assez permissif au niveau des cuts, j'ai l'impression. En revanche, qui dit permissif dit que peut se planter pas mal parce que il nous envoie complètement à l'extérieur, les livreurs. J'ai complètement raté mon freinage. Ils sont tous les deux. On n'est pas très rapide, hein, par contre, avec ces gommes-là. Ce qu'il a dit. Alors on va essayer d'améliorer notre rythme. Massa est à 2 secondes. Deux secondes de mieux par rapport au meilleur tour.
Alors j'ai mis des gars à la liste, mais je me trouve qu'ils sont pas si forts que ça, parce que vu le choc que j'ai pris contre le mur, normalement j'aurais dû perdre ma roue avec. Maintenant ça s'attaque. Ah, il y a Button devant. Petite bataille Williams-McLaren pour le moment. Pas rapide, hein. Autant se le dire. On va voir la dégradation des pneus, mais bon, si on a 27 tours utilisables avec les durs, enfin les oui, les durs. Je pense que pour eux, ça va être assez facile aussi en temps de gagner toute la course, donc même s'ils devront s'arrêter. Pas très rapide là, pour premier secteur, j'ai l'impression. Ouais, j'arrive à retrouver moins d'une seconde pour le DRS. L'instant on est un peu loin, on a une seconde et quelques. Je n'ai pas le DRS, j'y ai cru, mais... Oui, on peut être assez agressif, mais c'est vraiment au prix de... Une prise de risque assez... J'ai trop élevé. Voilà, on colle à chaque fois ici. En tout cas, à Monaco, on a vu ce que ça donnait hein, d'avoir des pneus trop visés. C'est un circuit assez intéressant comme le Canada, je trouve. Sur les secteurs, il est assez sympa avec la redescente, la petite chicane. La ligne droite, les deux chicanes de fond, la dernière chicane de fin, pardon. Complètement raté.
Ouais, 2 secondes 3. C'est certain que j'aurai pas le DRS, faut d'abord que je sois collé. Ce n'est pas le cas. Alors là, je pense qu'il y aura bientôt les prochains arrêts pour les pilotes qui sont en tendre. Ben, si je dis ça. Disons que les droits arrêts, il est un peu endommagé, je sais pas pourquoi. Alors, on rappelle que l'arrêt au stand ne coûte pas beaucoup ici, hein, puisqu'on coupe la chicane. Vachement proche, hein. Même quand j'ai l'impression de réussir mon virage, il roule bien comme une balle. On va peut-être tenter d'enrichir un peu le mélange. Il y a un peu de vitesse. Pour la ligne droite. Je sais pas si c'est à ce tour-là qu'on s'arrête. Non, c'est au 12e tour normalement.
Voilà, il était pas bon. Alors, rappelle le passage en option. Comme 10 fois l'option parce que je me dis si ça prend pas. Ah ouais, on va ressortir très loin. Hein. Oh. Allez, placez à fond. Effectivement, on va avoir l'avantage sur les gommes, puisque devant ils sont en pneu médium, on est en pneu tendre. On va falloir dépasser Magnussen si on veut marquer des points. Ah, c'est qu'on a un aileron maintenant qui a été remis. Finalement, on n'a pas trop perdu de temps. Enfin, si c'est... Ah, mais c'est pour ça qu'on a perdu du temps. Si, je suis bête. 8 secondes, parce qu'on a dû, réparer le rond avant. Normalement, on aurait dû s'arrêter beaucoup plus... Enfin, l'arrêt aurait dû être plus court. Oh, il y a du monde devant. Vraiment que je soigne les trajectoires parce que... Trop de temps. Ça par exemple, c'était pas bon du tout. J'ai du mal à voir les panneaux en fait, 100 et 50, parce que vous freinez quasiment au 100. Ils se traînent vraiment. Allez les gommes, ça sert, on va en profiter. Est-ce qu'on peut remonter Button maintenant? Il reste pas beaucoup de tours, mais peut-être que ça peut se faire, on va voir.
On a fait le meilleur temps autour. Alors je sais plus en quelle année il manquait un point supplémentaire pour le meilleur tour, je crois pas que c'est en 2014. Oh, il a give up au dernier moment. Oh, désenrichir le mélange après. Freinage que je peux les piquer de toute façon. Je crois que j'ai pas eu encore une seule fois le DRS depuis tout à l'heure. Quand même faire attention à l'essence, je sais pas combien de temps on peut tenir avec un mix élevé. Ah, ça sera trop tard. On va finir dans les points normalement, si tout se passe bien. Ben voilà, 8ème place. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, on partait très loin, on a réussi à se défaire de beaucoup de monoplaces au départ, même si ça n'a pas été sans heure. Et les 4 points vont faire du bien, surtout qu'on s'est calé entre les deux Williams, donc ça va. Et on prend des points sur McLaren. Continuer, donc voilà, au classement on est 7ème. Bon, les Ferrari, je pense que pour aller chercher, il va falloir galérer un petit peu. Massa, on est toujours devant. Kevin Magnussen 9, 10, Valtteri, ok. Championnat constructeur, bah, on est 5ème. On est plutôt bien positionné, mais ça peut aller très vite. Hein. Il suffit qu'il y ait une course un peu chaotique avec un podium d'une autre équipe autour de nous, par exemple Williams ou McLaren, et là ça sera plus difficile. Mais pour le moment, en tout cas, on est toujours dans le top 5, ce qui est très très bien.
41 points. Bon, évidemment, Mercedes toujours devant. Red Bull deuxième, troisième Ferrari. Je crois que les Williams se réveillent pas mal en fin d'année, donc il faut faire gaffe à ça. Est-ce qu'on va pouvoir les attaquer? En tout cas, les dépasser au championnat. On verra bien. En tout cas, on se retrouve du coup pour la suite du championnat. Je ne sais pas où, ce sera la surprise. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Thank you.